Bienvenue en Indre-et-Loire, à Champigny-sur-Vaude. L'entreprise Merlot a été créée dans les années 80 par mon père Étienne Merlot. Et on fait de la charpente, de la couverture, des skateparks, du mobilier urbain, une diversité d'ouvrages. Il y a environ 20 ans qu'on est arrivé dans l'entreprise donc avec mon frère Frédéric. Frédéric a créé des skateparks. Et en l'espace de 20 ans, on est devenu les leaders France et Europe en fabrication de skateparks indoor en bois. L'activité à part entière aussi, c'est les maisons ossature bois. Donc maisons bois qui sont soit en madrier, soit en ossature bois, et avec des murs très très épais qui permettent aux gens d'avoir zéro chauffage. Et l'objectif est atteint parce qu'on arrive à avoir des maisons quasiment BBC. On a développé Internet il y a environ 3-4 ans. Et depuis, on vend des kits charpentes de skatepark. Et ça augmente d'une façon considérable d'année en année. Et ça nous permet d'étendre nos marchés maintenant à l'étranger. Ça nous permet de conserver notre savoir-faire dans l'Indre-et-Loire et d'envoyer nos produits sur l'ensemble du territoire. Et avec le recul, on peut être fier de ce qu'on a fait ensemble en famille, mais je pense que c'est pas fini. On a juste 42 ans, nous sommes trois, on est triplés, donc on a encore plus de 20 ans à créer, et je pense que l'histoire ne s'arrête pas là. L'addition des forces des triplés Merlot a multiplié les chances de réussite de l'entreprise. Ils ont déjà investi sur une machine numérique bois. Celle-ci a permis une diversification de l'activité et un développement économique remarquable.